Salut les potes! Et non, vous ne rêvez pas, c'est un petit épisode bonus. Alors écoutez bien, vous arrivez à suivre. On est samedi. L'épisode de demain matin, dimanche, est pas encore sorti. Donc là, je tourne un épisode pour lundi, je pense. Je vais vous le sortir lundi. Lundi midi, tiens, pourquoi pas. C'est dimanche soir, je sais pas. Enfin, il sortira après l'épisode de demain matin, qui n'est pas encore sorti. Et du coup, j'ai pas les commentaires. Voilà. Ne vous énervez pas si vous voyez des trucs bizarres dimanche, que j'ai pas fait après. Enfin, wow, calmez-vous. Calmez-vous. Allez, c'est parti. Alors, j'ai pas avancé, j'ai fini l'atelier. J'avais mis ça comme objectif avant de couper. Donc, on a fini ça. Là, il nous manque un petit peu de bois. Donc, on n'est pas trop mal en vrai. Là, on avait un marchand qui était arrivé. Faut qu'on aille le voir. Je m'en suis préoccupé. Et je crois que c'est tout. On avait tout récupéré en bas. On a pris un raid ou deux, je crois, dans la gueule. Ou des animaux enragés, je crois. Mais ils se sont fait flinguer. Oui, non, je crois qu'on était pas trop mal. J'ai fait celui-là aussi. Il est assez ouvert. On était un peu en rade d'électricité. Ça faisait beaucoup avec les ateliers. Donc voilà. Ouais, bah go. Go tourner le jeu. On va prendre Bonnet. On va lui demander de venir commercer avec eux. Oui, ça calme-toi. Je crois qu'elle était en train de nous faire les manteaux. Ouais, c'est le dernier. Et sur la recherche, j'avais mis le multi-analyseur, donc ça avance tranquillou. Alors. Des coques. T'as pas de poule? Ok, Cagne, il y a un moment, ça fait des choses, non? On va prendre un coq. On a un peu de pognon. Ouais, mais on voulait acheter le bâtiment. Qu'est-ce que vous voulez acheter comme bâtiment? On va prendre le coq. On va prendre une femelle, deux femelles. Cagne. Et on essaiera de trouver les mâles plus tard. Ça, c'est ce qu'on a, nous. Il nous vend encore des béliers, non. Des brebis, non. Des chiens. On a envie de chiens. C'est chiant de faire des croquettes. On n'a pas beaucoup de viande. On va lui vendre notre chocolat, par contre. Le taureau, on va le garder. On essaiera de trouver une vache. Dromadaire femelle, non. Prends mon chocolat et tu me donnes 815. Je te donne tout. Étant donné 430. Ouais, je vais garder, ouais, ça me paraît honnête. Si tu veux d'autres. Bon, les animaux, on va tout garder pour l'instant. J'ai pas réglé le truc. J'ai pas de plat. Je vois que je peux pas lui vendre. Il en veut peut-être pas, il veut que m'en vendre, je sais pas. Des composants, on en a 16. Ouais, ça me paraît honnête. On va prendre le gros composant aussi. C'est assez cher. Du tissu, on n'a plus grand chose parce que j'ai fait les fauteuils. Le diabète, ça commence à rentrer, c'est cool. Je vais vendre. Ouais. Les médocs 45, on est bien. Hein. Les obus incendiaires, je suis pas sûr de les utiliser. Si, bon, pourquoi pas, on a que ça pour l'instant. L'acier, non, on en a plus beaucoup, mais on va le garder. Ça m'a coûté cher de faire tout le sol, c'était que de l'acier. Son petit charme. On commence à rentrer de la jade, on n'a pas d'or à lui revendre malheureusement. On peut lui vendre du smoke leaf, on en a, mais je vais m'en servir là, je vais commencer à tabasser des joints pour Iba. On va pouvoir faire de la bière aussi. Et de psycho. Peut-être lui en vendre. Ouais, ça me paraît pas mal, hein. Il nous en restera 520 et au moins c'est lui qui nous doit de la thune. Canon renforcé, on va le garder. Test de préfabriqué. Masse buriale. Les trucs. Masse buriale, qu'est-ce que ça veut dire, masse buriale? Une boîte pétée. Oh, 247. On la teste? Petite étable, non, c'est bon. Cuisine, c'est bon. Grand dépôt de feu de bois. Oh, pile balle, ouais, non. On va garder notre poisson, bien évidemment. La bière, on va en faire. Le bois, on en a presque plus. On en a plus même d'ailleurs du bois. Peut-être lui prendre pour finir le truc. On s'en fout. Gagner d'argent encore. Si, on peut vendre des saloperies. On peut vendre des saloperies. Oh. Ouais. C'est pas mal ça. Tout à 50%, c'est médiocre, c'est éclaté. Je vais m'occuper de ça aussi, hein. Je vais lancer la prod des t-shirts et des pantalons.
Les chemises, on verra bien. 68, normal, on vend. Manteau en tissu. On verra. Manteau en laine de mouton. Ça va être sympa, ça. Est-ce qu'on a de l'or? On a 20 d'or, on va le garder. On va lui vendre les tentes, tiens. Voilà, on lui prend 1005. Et on va se vendre, allez, les trois manteaux en tissu. Ça lui permet, on a de quoi faire. On n'avait plus grand-chose. On lui prend 2000 balles, vas-y, sympa et honnête. Ok, ah oui, c'est vrai qu'on a pris des animaux. 27 composants, ça va être pas mal, ça. Ça va être cool. Ouvert. Ils vont ramener ça. Et ça, c'est quoi, alors? Mais merde. Je sais pas la taille qu'il fait. Vas-y, on va essayer là, déjà. Je sais pas ce que c'est. Passer. De large. Merde. J'aimerais ne pas abîmer mes champs. Bah, je perds pas beaucoup. Non, on a pas beaucoup de tissu. Faut que je refasse du coton. Hein. J'ai que deux petits champs de coton. Hein. Alors, ah mais non, mais ça c'est à l'ombre, ça a mal poussé ça. Les défenses, j'ai peut-être pris large pour les défenses. Peut-être décalé. Pourquoi pas là, se mettre là et refaire des champs là. C'est pas trop. Ouais, bah vas-y. Ah! Alors. Ah! Ouais, bah oui, vous le saviez. Vous êtes tous bilingues aussi. Là. Le jeu a crash, gros. Arrête! Oh, il y a beaucoup de flèches. Il y a beaucoup de gens. Ok, que des armes de corps à corps. Que des armes de corps à corps. On a une troisième flèche en haut, je crois. Ouais. Que des humains au corps à corps. Ok. Eh ben, on va voir ce qu'ils vont faire. On va essayer de ramener ça. Putain, vous foutez, je supprime cette merde. Oh là, quel enfer. Enlevez-moi tout ça. Bon, 246 balles de perdu, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Aram, ça rame, gros. PC, il va cracher, hein. Ouais, vous allez faire quoi après tuer cela? Bon, pas qu'est-ce que vous faites? Ah oui, quand même, vous êtes un peu énervé. Vous arrivez à faire des choses. Donc, il va falloir quand même que je me prépare à une certaine défense. Ok. On va même laisser les portes ouvertes là. Et on va voir où c'est de quel côté ils cassent. On va mettre nos gars bien. Tu vas où, bonnet? Ouais, vas-y. Ils attaquent ici. Non. Ils font, c'est pas. Au moins, ils s'attaquent avec les zombies. Ça triche pas. Ça prend son temps. C'est long à tout péter. Ouais. On dit à la maison, ma poule. Alors, par où ils vont attaquer, eux? Ok. Il y a un peu de temps. Non, on monte en gros. Ah bah, pour continuer de ramasser ça, ça me va. Allez-y. Porte, c'est 270. 70 le mur, ouais. On est un peu en train de péter. Ok, là c'est passé. Alors là, par contre, on va mettre tout le monde en position. On va arrêter de faire le coup. 2 secondes. On se prépare, on sauvegarde même pas avant. À la foutre. Elle est en place. Bam bam bam. On passe, mon gros. Mettre par là, caché. Pour si. Oh là, Zabo. Passe-toi, gros. Ah oui, on a. Il y a un.
Un connard qui est arrivé, qui nous a rejoint. Il est passé par en bas, je crois. Il est arrivé par en bas, donc on avait ouvert par ici. On avait nettoyé un peu, mais il n'y avait pas énorme. Il devait avoir 5-6 zombies. On l'a récupéré, et c'est un cuistot, les gars, enfin. C'est un putain de cuistot. Par contre, il est nul en tir. Nul en tir. Ah, attends. Je vais le faire bosser. Tout en même temps. N'en prend beaucoup du tout. Jusqu'à en avoir 250. Un bon stock. Hop, on copie. On colle. Là. Ok. Ça, gros, toi, tu. Voilà. Là, tu pars voir une bière, c'est super. Là. Là, c'est pas le meilleur plan. Tiens. Pas ta cuisine. Se rue sur ça apparemment. Ils sont en galère dans le diable d'eau, gros, je te raconte pas. On va reculer un peu. Iba commence à prendre le tir. Encore, encore, encore. Voilà. Ils sont résistants, les gars. Enfin, vraiment, là, je trouve que c'est limite abusé, gros. On est très mauvais tireur. Une super unité, petit dormeur, gâchette facile. C'est un andertalien. Ce sont des humanoïdes trapus et puissamment construits. Ils sont robustes et difficiles à blesser. Leur système militaire fort leur protège des infections. Ouais, ok, d'accord. Donc si, en fait, ce sont des bêtes. Ok, ok, my bad. Allez. Ok. On m'en prend pas, ça va falloir courir, mon gros. Ils attaquent la tourelle. Merde, ça c'est pas cool. Attends, recule un peu. Oh, il bat. Putain, il bat, elle est partie dans la lancée avec la jambe de bois, gros, ça glisse dans le sable. Oh, c'est bon. Les deux et eux là-haut, les connards là, ils sont toujours en train de mongoliser. Je vais prendre bonnet, fais le tour. Il y en a un qui essaie de se barrer par là. Il y a du blessé. L'autre a fait demi-tour. Bonnet revient, avance là. Mettez-vous comme ça. Sur ce connard, hein. L'armée lui. Machine, les gars, avec les armures. C'est un paquet, hein, gros. Réunion de connards, là. Qu'est-ce que... Hein? Des zombies, là-dedans? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On laisse faire. Oh, le gros raid tout de suite dans ma gueule, là. C'est pas chaud, hein. Juste un petit épisode bonus, parce que... Ok, eux, ils arrêtent. On se remet en position pour les flinguer. Hop, là, on chope Pampañeros. Et alors, santé. Il est mort dans 3. Qu'est-ce que tu vaux? Qu'est-ce que tu vaux, John Elastico? Ah, t'es inébranlable. Qu'est-ce qu'on voudrait? Ouais, du bagarreur, hein, en vrai, là, maintenant. Ouais, genre lui. 36 ans, guerrier. Donc... Ouais, mais il apprend. Ouais, non, ça va être trop long. On va pas récupérer n'importe qui. Bon, rien d'intéressant. Peut-être une possibilité de les libérer, non? Si on les... On passe. On va stabiliser ce con. Ils sont revenus en mode énervé. Et peut-être... Ok. Oh putain, mon pampas, je t'ai oublié. Oui, mon petit chat. Il y a un fou qui te suit. Ah, est-ce qu'il s'était retourné? Il se redit, ah non, et on repart. Il est mort, lui, non? Attends. Peut-être qu'il... Voilà. Ah, vous avez pas double tap, les gars? Non, non, non. Ok.
C'est qui que j'ai envoyé? Oh, elle est toujours en bagarre. Arrête-toi. Double tape, ces salopards. Ça a pas l'air, c'est-à-dire que ça va se transformer. Non, pas des habits, merde. Un paquet gros. Lui, il a dû avoir la tête qui a explosé. Prends lui aussi. Alors non, je peux plus faire ça. N'oublions pas qu'il y a toujours eux hein, quand même. C'est vrai que je suis en détente là, mais attends. Ça se barre au bout d'un moment, non? Tire sur qui? Ok. Oh là, B-Boy. Oh putain, mais c'est un zombie, c'est... Ouais, ouais, oh là là. B-Boy, non! Fuis, 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 mon petit cochon! Il a une grosse armure, il a une grosse armure! Lui, fuis! Oh non, mordu au torse! Oh putain! Putain! On n'a pas eu le temps des double tapes! Ils se retournent contre nous! Arrêtez tout! Bah, faut que tu fuis, ma poule! Oh, il est en train de mettre un stop! C'est un non! Enfuis-toi, Iba! Oui! Iba, je t'ai oublié! Il va se refaire manger le fion! Non, c'est bon! Oh! Oh fuck! Oh fuck! Oh, ils sont encore en train de faire muse avec l'or de cailloux, eux! Oh! Ok. C'est B-Boy. Ah, ils sont en train. Ils sont en train, mon pauvre B-Boy. Ils sont en train de B-Boy. J'entends les toiles. Merde. Mais va-t'en. Attends, prends pas une balle perdue en plus. Ah non. Oreille droite. Ok, ok, c'est bon. Allez, go. Venir ici. L'armurerie, toujours pété d'armes. Voilà, pose tout ça, ma poule. Les bonnets, on joue ici. On va être libéré. Aura. On a encore. Décharge mon inventaire. Double tape ce con. Lui, il est vivant. Ah non, lui, il est d'accord. Ouh, oh, la balle dans la tête, dans la nuque à bonnet. Hein. Hâte. Voilà. Décapité B-Boy! Ah, il tient la gueule un peu bonnet là quand même, il est peu heureux. Ah, et... des habits là. Belle armure, bon. Ok. Il est comment lui là, ce con? T'en sors pas trop. Hein. Attends, ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'ai oublié un peu les idiots du village là.
Ok. Good. On touche pas à B-Boy. Sarcophage en jade. On aura au milieu du salon. Être construit par Bonnet. Go. Bah, tu vas où? Bah oui, bah. Ouais, c'est vrai que ça peut être intéressant de commencer à réparer ça. Attention, attention. On a les petits idiots du village encore là. Jamais ils abandonnent? Non. Hein. On aurait pu utiliser les mortiers, bon. Même s'ils arrivent à creuser, ils vont tomber face à la tourelle. Quoique là, faut faire gaffe. Hein. Ils ont commencé à bien... Ouais. Ok. Vas-y Bonnet, fais-moi une merveille. Ou une légende. Une légende pour notre B-Boy. C'est une merveille, c'est déjà bien, c'est déjà très très bien. Pampas, Pampas va t'enterrer mon gros. Ah, il Poulpette qui s'est mis la sauce. Mes poupettes. On va regarder vite fait les funérailles de B-Boy. On a été obligé de décapiter pour pas que notre ami se retourne contre nous. Bac à l'abandonner, je crois. Il faut déjà à peu près... Ah, ok, t'es calmé pour nez. Il faut déjà 8 heures pour traverser la map, donc arriver là avec une seule envie, c'est de rentrer, pour partir. Monet qui a mis un petit coup de balai pour l'arrivée de B-Boy. Ok. Il est là? Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Qu'est-ce qu'ils... Non, ils l'ont mis là-dedans. Oh, passe! Vite tes poches! Oh là là, mais l'autre aussi, putain, c'est un magasin! Oh, vous avez tout ça dans vos poches, c'est insupportable! Et qu'est-ce que t'as fait de B-Boy? Il a dû me le foutre dans la fosse commune, mais fais chier, fais chier. On s'en sort, Rock, lui? On s'en sort pas, Rock. Mais lui, on s'en sort, Rock. Il est capturé, Maroc. On passe à s'en occuper un jour. Il l'a pas perdu sur le trajet. Oh, faut vraiment que... Oh, putain. Bah, allez, viens, ma poule. Désolé. Pendant ce temps... Je vais les oublier, au gros. Oh, petit groupe de zombies qui veut pop, là. Oui, je sais. Il va être libéré. Rock. Et t'as vu ma poule. Les os. Et... Juste normalement j'avais pas... Si j'avais peut-être mis l'option humanoïde, ouais. On va l'enlever. Et où est-il? Il était tout nu. Bon, c'est pas pu devenir un... squelette déjà. Il est pas là-dedans. Moi, je peux pas revenir en arrière sur la vidéo pour voir. Pas pour l'instant. Qu'est-ce qu'il est? C'est un imbécile heureux! Ah, mais oui! Mais oui, d'accord. Il a été mis là-dedans. Ici. Bah. Ok, ok. Au bout du rouleau. Nous l'ont laissé à pourrir. Il y avait déjà un chéri à nous là-dedans. Ah ouais, mais peut-être les vagabonds, les machins comme ça qu'on a reçus, qu'on n'a pas pris ou qui sont morts. Ah là, l'escroc, le nouveau-né. Ça doit être lui. C'est qui lui? Il avait un titre gros. Kinshot, égorgeur d'animaux. Ouais, bah on va les rempiler là, on va les ranger là. Vous me ferez un petit rangement de toute cette stade de merde. Portez-moi juste, ouais. Bam, ok.
Et non, mais je veux pas mettre rien dedans. Pourquoi je peux pas accéder à tous les stockages en main? Ah, vous? On est en train de mourir, on tranchera après, gros. Ils sont partis? Qu'est-ce qu'ils font, eux, là? Bon. Les cons sont partis. Oh. Pour le madère, de la bouffe. Oh, c'est bon. Votre vie, B-Boy, on va te ranger. Je vais juste laisser Bonnet dormir, récupérer son sommeil, son plaisir. Et je vais lui faire démolir toutes les tombes d'affilée. Et ensuite, on ira enterrer Billy comme il se doit. Et comment on fait, dans quel sens ça va? Tout effacé, tout effacé, tout effacé! Putain. Hop. Ensuite, faut que je prenne ça. Celle-là. Et je fais coller les paramètres. Ce papier qui se raconte. Ah, vous? Pas plutôt bien, moi. Où le pète a le droit de craquer? Iba a le droit de craquer. Zebou. Zebou, qui met Zebou? Zebou, Zebou, c'est notre cuisinier, c'est un homme. Et ben, hop, on va prendre la liste. Alors, attendez. Zebou et Bonnet ont discuté de coiffure. Ouais, ouais, ça s'entend bien avec Bonnet. Les autres, vite fait, pas trop. Et Cora, ça a de l'autre se foutre sur la gueule. Bon. Et ben, ce sera l'arrivée. Le prochain, c'était. Hop! Mon Léonidas. Hop. Et bah bienvenue à toi, mon gros. Tu seras le cuistot de la famille. Oui, j'ai viré Pampas. Et Pampas, du coup, il fait que de la recherche. C'est devenu notre chef de recherche. Il est à fond. Albadio, est-ce qu'on peut te libérer? Ça nous... Oui, regarde ça. On va te faire une petite libération, mon gamin. Tu vas te casser l'hélico presto. On peut te libérer maintenant? On va te déshabiller déjà. On va te foutre le cul à l'air. Comment ça? Et si, il y a plein de stockage là-dedans. C'est bon, avec toi, on va dire que t'as fini. J'en ai marre, ça m'a saoulé. Non! Allez, je m'y retrouve. Même là, ça rame. Ah, il met 2 secondes. On doit avoir de la crise de nerfs et puis voilà, il va nous faire chier. Ok, c'est bon. Le dia est en train de s'en charger. Hésite pas. Ouais, j'ai mis le nom encore des colons, donc il va me laisser Bonnet l'escroc, nouveau-né. Allez, toi, mon gamin. Ah merde, on est sur le coup de balai. Les os. Ah, très mal géré ce raid du coup. Heureusement qu'ils étaient pas armés avec des gros trucs, hein. C'était juste là les cacahuètes à l'air, hein. Au-dessus, bon, ils ont été inexistants, mais ça va être encore un boulot de réparation, ça. Un peu chiant. Ok, Bonnet, est-ce que tu peux m'enfuir, B-Boy, s'il te plaît. Voilà, super. On y arrive, B-Boy, on y arrive. On a encore ton sort, ton corps ensanglanté. On a encore ton... Oh là là. C'est quoi d'ailleurs l'info là-dessus? Alors, le sarcophage est gravé d'une représentation illustrant Mike, B-Boy Martelli, perdant un piquet de fer à cheval, son cœur relâché et détendu. Un marais visible au loin, un millier de flingueuses couvertes de peau apparaissent sur la partie supérieure de l'image. Cette peinture fait référence à B-Boy jouant à un piquet de fer à cheval le 7 décembre 5504. Auteur Bonnet l'escroc. Allez, hein. On part sur ça, mon gars. Les colonnes en or! Non. Les colonnes en. Oh, marbre! C'est rien à foutre au milieu du salon, mais écoute. C'est notre culture. Tac, c'est bon, ça a rangé toutes les saloperies. Là, je peux remettre. Les. Oh, bah non. Voilà, tous les colons. Comme ça, il pourra mettre le petit. Ah, mais là, il l'avait déjà enterré. Même le jeu, il l'a jamais considéré comme un.
Et là, autoriser les cordes colons. Non. Il n'y aura pas d'erreur. Ensuite, on peut commencer à ramener tout ça à la baraque. Hein. Et puis, bah, ranger le reste. Me nettoyer le reste, là. Arrêtez tout ce que vous faites. Mettez-vous en rangement, s'il vous plaît. L'espèce de stockage, pourquoi? Mais si, mais si. Il a dit, ils vont aller les enfouir. On a assez de place, d'ailleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, il va falloir une nouvelle. Ça rentre, là? Non. Ouais. Ah, on va la mettre là, on va demander à Bonnet de la refaire. J'ai le fion. Ça transporte des trucs, sa machine, ça me va. Ok, ça c'est fait, c'est fini. On va, voilà, pour l'instant je vais faire ça et après j'aménagerai ça mieux. Et je pense que ça on transformera du coup en salle de jeu. En train de me tâter à supprimer même le couloir. On va faire une grande salle ouverte là. Avec deux bonnes grosses tourelles pour t'accueillir. Honnête, parce qu'il a bientôt fini la recherche. Il va nous falloir un petit atelier de petit labo là. On avait dit de mettre amphétamine, ça pourrait être pas mal. On partait sur quoi? Là c'est une bonne taille. Est-ce que ça nous convient? Mais en granit. Je pars de là. Il me laisserait 6 entre chaque. 6 en couloir. Je pourrais faire un couloir de 3 au milieu. Ouais, pas ouf. Ouais, bah écoute, on verra ce qu'on fait. Grave. Oh, bah on va pas se faire chier. Pas aligné même. Il y aura un petit décroché et puis on verra ce qu'on fait. On va commencer comme ça. Et on va se mettre du coup. Porte automatique, peut-être pas. On va pas commencer à être gourmand. Peut-être une simple porte en bois. 1, 2. Ouais. Comment faire l'atelier de fonderie aussi, par là. L'atelier de sculpture. Le taillage de pierre, ça c'était... Calme-toi, qu'est-ce qui nous intéresserait? Multi-analyseur avancé. Ouais, 5000 balles, ça va l'occuper, pour l'instant on n'est pas pressé, on verra après. Faut qu'on répète. Ok. Unidas qui se met la race déjà avant d'arriver. Là c'est bon, vas-y on peut refermer. Je crois que là j'aimerais bien qu'ils aillent reconstruire aussi. Hein. Peut-être que je laisse le temps de faire ça d'abord. Ouais. Le bon, est-ce que tu peux... Et Léo. Je vais te laisser enfuir ton bordel. Est-ce que là tu peux venir me calmer Léonidas? Il est déjà pété un boulon. Je crois qu'il en sevrage à alcool hein, Léo. Ah non, colon a laissé pourrir. Bah, normalement, non, on est en train de ranger les gars, là. Vous nous laissez un peu de temps, les gars, hein. On prend un moins 15 dans la bouche. Si, parce qu'on a rouvert le... Mass Grave, j'ai oublié qu'il y avait encore ce cimetière de mort, là. Désolé. Ok, je crois que tout le monde a été rangé. Ça demandera un bon coup de nettoyage, mais... Je crois qu'on a... On a plus croc. On a plus croc, étant donné que notre b-boy est mort. C'est bien d'avoir deux gars à faire ça. Je vais laisser construire ça, et après je ferai que du minage. Je vais construire là-bas en bas, ça va mettre un temps fou. Là c'est déjà risqué, parce qu'après il va falloir que j'ouvre. On a combien de temps là d'épisode? 34 minutes, ça va. Il faudra qu'on ouvre, qu'on aille réparer aussi du coup tout ce côté-là. On pourrait presque en profiter qu'il n'y ait pas de zombies pour l'instant. Et je peux pas m'ouvrir sur les deux, les... nord et sud, quoi. Ça peut être chiant. Ah ouais, bah, j'ai en même temps si j'arrêtais de faire le con deux secondes, moi. Oh là là, marre, Bobby Boy. Je peux te centrer un peu plus le fion, là. Non. Non, j'ai pas mis le mode pour recentrer. Dommage. J'aime bien. Ah, quoi que celles-là, elles sont belles aussi. Ouais, non, peut-être celle-là. Le jeu a raison. Pas encore elle. La toute fine, celle-là. Pas mal, c'est pas mal. Ils vont finir ça, ça me va, ça c'est quoi? Une porte en bois, mais j'ai plus de bois, c'est ça? 67 de bois, j'ai pas beaucoup de bois. Ça demande combien? 25, on peut la faire. On aura de quoi refaire une porte.
Donne du carburant dans le fion. 0, 0, 19. Non, un peu, mais pas énorme. Ok. 3, pas mal. Qu'est-ce qui va se passer si je les enferme avec moi, s'ils traversent de l'autre côté? J'aurai toute la vie pour les apprivoiser, parce que je crois que j'ai personne incapable de... Oui, non, non, on n'a rien du tout en dresseur. Ça me fait une bonne dépense, non? Je sais pas. Riz 1 a donné naissance, ok, ça commence à bien procréer. On va avoir de quoi bouffer. Ah, lui, c'est bon. Lui, on lui libère le cul. Allez, casse-toi. Albodo, là. Albolo. Casse-toi, casse-toi. Pardon. Pour un coup. Bon, on est pas mal. On a perdu B-Boy. Oh, ouais, correct, en pleine dépression. Qu'est-ce qui se passe? Colon, on laisse pourrir. L'un des nôtres vient de mourir et on le laisse pourrir dehors. Personne ne devrait être laissé comme ça. Les gens ont le droit à une sépulture. Mais gros, mais pendant combien de temps? Mais où? Il est où? Qui c'est qu'on laisse pourrir dehors? J'ai l'impression qu'il y a encore un mec qui est en train de pourrir quelque part. Mais où? J'ai pas compris. En fait, il m'indique pas. Il me dit pas combien de temps. On est mort, ouais, il expire dans 6 jours. Ça, c'est comme si c'était à perpétuité, mais pourquoi? Où est ce colon que j'ai oublié quelque part? Je ne sais pas. La vie. B-Boy, il est perdu. On vient juste de perdre B-Boy, il est là, il est enterré là-dedans. Ouais, c'est parce qu'ils ont vu. Ils ont vu bébé l'escroc là-dedans et ils se disent que du coup, ouais, tu nous fais chier. Ouais, j'imagine des trucs. Ok, ça c'est fini. Donc, du coup, partir là-bas. Ça fait un toit si tu veux. Un bloc de granit. Et la construction. Ah, oh bah oui, bien sûr, il a 6 en plus. Ok, 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 vas-y, mon gros, parfait. Ça me va, ça me va. Là, on est bien. Ils sont en train d'amener le matos en bas. Ok, ça va être vite fait, du coup, je suis plutôt content. Ah oui, mais d'accord. Pas le plus, ouais. Ok. Ça serait pas tranquille, on est content. Les thromboses vont être enfermés avec nous, du coup, je suppose. Il s'est barré, l'autre idiot, là? On a libéré? Ouais, j'ai l'impression, hein, je le vois plus. Je vois plus, donc on va s'occuper de ce côté là, ensuite on va aller chasser les 3 dromadaires et se faire en haut, hein. Et se faire en haut. Et là je peux pas lancer d'autres constructions tant que j'ai pas réparé notre sécurité. Les tourelles, faudra les elles ont été déjà refaites, c'est parfait. On a vu que c'était un peu léger, hein. Va falloir rajouter des gros canons, je pense des gros machins. Surtout maintenant vu qu'on a de l'énergie. Ça va être pas mal. Sécurité. C'est du composant, c'est du composant. Du composant, putain, il bat qui se met des sauces de l'enfer, gros. Il est où, lui? Ouais, il bosse, il bosse. Je vais mettre la sauce, moi. Ok, alors, je voulais voir les t-shirts. Les t-shirts, les t-shirts, les t-shirts, les petits t-shirts. Il y a une préférence pour quelque chose? Non, on s'en tabasse, non? Une belle chemise avec des boutons. Ok. Un t-shirt ordinaire. Un t-shirt, tu vois, c'est moyen.
40, 45. On va faire des chemises alors. On va faire des chemises. Des chemises, des tailles, juste en diabétoff. Une par personne plus une en rave. C'est toujours bien. Détail. Non, alors non. Pas comme ça. Pas comme ça. Juste en diable. Comptez les équipés. 251. Hop, hop. Bon machin. On va déposer au sol. Quelqu'un rangera. Ça me paraît honnête. Et c'est parti. Ok. On va faire. Fabriquer manteau, c'est bon. Pied. Allez. Parfait. Ouais, on va focus les chemises pour l'instant. On va les mettre tout en full diabétoff. Hein. Je crois que c'est un des trucs les plus rentables. Donc ça me va bien. Tout beau, tout en rouge. Le Cora là qui reste avec son casque de commandeur. Et pourquoi pas. Et là, ça avance bien là. Je suis content. Là c'est même carrément fermé. Donc je vais choper Iba Poulpette au passage. Je vais lui demander de venir me déplacer ça là. Désolé, thrombose, hein, mais... Merci. Alors, on peut refermer, on est safe. Ah, j'ai pas fini ici, quel connard. Quel connard. Excuse-moi, hein. On va te faire chier deux secondes. Un petit coup à ce mur-là. Si... C'est bon, t'es ma poule. Merci. Ok. C'est bon, on est safe. Et terminé ce côté-là, on sera pas mal. On sera pas mal, on sera pas mal. Bon, c'est peut-être plus après l'intérieur de la base. Le laisser rentrer, voilà, par ce petit tunnel. Là, pourquoi peut-être même pas l'agrandir un peu. Et qu'elle ait deux grosses tourelles de chaque côté. Je pensais qu'elle tirerait, je sais pas. Je pense que oui. Voilà, on les attendrait que quand ils sortent, je sais pas. Juan s'est laissé apprivoiser. Qui s'en fout? Il est chez nous. On vient de crever. Ouf, on a pouf, on est très très bien. Hein. Ouais. Il a commencé à me faire des rations. J'ai mis ça pour un peu de déco. Comment c'est-vous? Qu'en pensez-vous? Je crois que ça sent pas dans la cuisine. On peut peut-être lui mettre une petite étagère. Un petit truc là dans la cuisine où il pourrait stocker les... On peut mettre les boîtes de conserve. Ça ferait un petit style... Ouais. Et ça fera un petit style, c'est les conserves pour l'apocalypse, quoi, le truc de réserve, on y mettra que la ration de survie. Je crois qu'on va le voir que de dos, alors c'est un peu moche. C'est un peu moche. On verra. Et bon, bah, ça me paraît pas mal. Hein. On finit de réparer là. Je vais les laisser réparer. On voit qu'il y a des trucs à réparer, donc j'aimerais bien qu'ils fassent ça aussi, dans la base. On a 43 minutes d'épisode. Et c'est un épisode bonus, hein. Si vous le ratez, c'est pas grave. Si vous arrêtez avant, je comprendrai. Ici, j'ai rien lancé aussi dans les process. Cette petite brouette. J'ai fait une brouette en quoi, là? Métal, ok. Je crois que c'était en argent ou en plastacier. Là, on peut, on peut aussi demander la réparation de tout. Oui, oui, hein. On peut demander la réparation d'absolument tout. On s'est réparé dans tous les cas, ça se trouve en mieux, même si c'est de la merde et tout, donc go go go. On passe qui pète un câble sous nos yeux. On a toujours ce colon à laisser pourrir qui nous met moins 15. Mon ami B-Boy est mort. Je sais mon gros, ça nous fait chier aussi. On aimait bien au village. Est-ce que lui dit bonhomme, mais il est même lui, il est pas convaincu, tu vois. Nous sommes avec toi, ouais, c'est vrai que vous êtes ensemble les gars dans la même galère. Personne s'est occupé d'Iba, elle est toujours sous cocaïne en train d'errer dans la maison. Tu peux venir me la calmer, gros. Notre bonne vieille toxico. La maison est dégueulasse, qu'on n'arrive pas à suivre son nettoyage. Allez, ça va bien se passer. Redescends. Va te faire une petite sieste, Iba, et ça ira tout de suite mieux. T'as raté. Pas encore ça. Allez. J'étais stone, gros. J'étais complètement stone. Bébé 2, les brebis qui donnent naissance, c'est bien, ça fait de la bouffe.
On occupera. On avance là, les gars, on avance. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça prend son... Il dort. Ça prend son temps. On a d'autres machins là pour ajouter de la défense. Quoi qu'on s'en fout de la défense. Si, parce que ça, à mon avis, ça va consommer un truc de fou furieux là. Ça doit être dans divers, je suppose. Ouais, lanceur de capsule là. Combien ça consomme ça? Le poids, faut éviter. Je sais pas combien. Ah. Je peux lancer une navette, une capsule tous les combien? Ok, cool. Un marchand de robots. Oh, quand on en parlait. Petit robot de nettoyage, viens, amène ton fion, toi. Oh oui. Oh là 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 là. Sainte mère du petit Jésus. Bon, il faut au moins deux, hein, vu la taille de la base. Putain de merde. Hop. Allez hop. On va tenter avec un. On va tenter avec un. Gros, si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, bah nick. J'ai qui dans le coin. Pampas. Pampas, qu'est-ce qu'il fait mon Pampas? Il répare un pantalon. 80 sur 100. Bim, 100 sur 100. Allez, incroyable, gros. Ah ouais, du coup, tu tapes des allers-retours de mort. C'est pas grave. Je vais m'installer ça. Oui, parce que si je mettais là-dedans, imaginons. Que là-dedans, on ne voudrait que les vêtements et les armes. Voilà. Ici, on a cette zone de merde. Que là, stockage, on ne veut pas ça. Là, on ne veut pas ça. Tac. Là, une priorité importante. Critique, on peut mettre critique, ce serait le point. Autoriser les... un peu, mais ok. Ensuite, tac. Tac. Voilà, comme ça les réparateurs de fringues et d'armes se feraient moins chier. Mais taperait pas des allers-retours de fou, tu vois. Il prend là, bam, 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 bam. C'est comme ça qu'on va essayer d'organiser un petit peu les stockages à côté. Voilà, tu vois, le corral va commencer à tout bourrer. Les armes, les machins, et là, comme ça, les mecs, ils vont tout réparer au fur et à mesure. Ok, ça me va. C'est cool. Ça avance tranquillement. Pas m'attaquer à ça, hein, tant que j'ai pas fini de réparer ce qu'il y a là et tout ça. Ah mais Iba en fait elle est toujours en mode défoncé. Enfin, je crois hein, qu'elle est comme ça en plus. Hein. Ouais, consommation importante de drogue. Donc je peux pas m'en servir, ça me fait un constructeur en moins. Leonidas il est couché depuis 8 ans à peu près. Non c'est quoi. Sevrage à l'alcool, celui c'est ça le déboîte le sevrage à l'alcool. Gros. Pas de bière, tu vas pouvoir te mettre la race après mon gros. T'as un trait genre définitif ou... T'es alcoolique quoi? Non. Non, c'est-à-dire qu'une fois qu'il aura fini ça, tolérance au psycho doit du coup se venger sur la drogue. On connaît. On a tous fait ça quoi. Allô? Lui, qu'est-ce qu'il branle lui? Qu'est-ce qu'il branle lui? En train de traire. Produit gaspillé parce que t'es à chier sur les murs, Francis. Non, c'est... Fais chier. Voilà, oh Iba, Iba, Iba. Ah, oh, mais Iba, Iba, c'est catastrophique son état, Iba. Il est où mon Pampas? Il a passé son level 14? Pas du tout, gros, il a même pas passé le level 14. Il faut que j'achète un truc, là. Faut qu'on arrive à avoir un vaisseau qui nous vende des... La personne m'a activé le truc. C'est à moi de l'activer. On va voir s'il arrive à tout faire. Sinon, bah, on en rachètera un dans le futur. Bah, dis donc, tu vas te calmer, gros. Ah, il est à côté d'eux, il est à côté d'eux en plus, putain. Qui c'est qui va m'égorger ce salopard? Ah. Il dirige sur lequel? Oh le bébé mouton. Oh ils savent pas ce qu'il y a. Le petit canard! Oh c'est pour qui? C'est pour le bélier! Oh non! Terrible, terrible. Et maintenant il erre. Connard Léo. Connard! T'arrives et tu nous flingues un mouton! On va faire une méchouille avec. Oh le bâtard. Bon.
pas grave. Pas grave, c'est pas grave. Un bélier, ça va. On a beaucoup de petits qui arrivent. Qu'est-ce qui t'inquiète? On sait pas. Air tristement. Tu peux le recalmer? Non. Il a descendu d'un cran, quoi. Oh, qui mine. Hein. Elle mine ma poule parce qu'on a plus de matos. Ah, ça y est, vous avez tout transféré? Parfait, ça. Mais c'est parfait. Et du coup, là, j'ai plus d'armes. Plus de fringues. Et ben, nickel. J'ai deux bombes mortiers qui sont là. On est content de les avoir. On les installe pas. On sait pas pourquoi, mais ils sont là. Vous énervez pas, je les pose. Oh, je peux pas. Je peux le placer sous un toit, parce que sous un toit, gros. C'est vrai qu'on aurait pu les placer là-dedans. Qui m'avait dit ça, mais là, j'ai mis un toit, bon. Pas non plus s'emmerder pendant 8 ans, mais... On va se servir des trucs, là. Ouais, voilà. Et on va se mettre... C'est plein, 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 plein. Ah, genre, ça fait genre. Toujours dans la classe. Par contre, là, on va pas mettre des fauteuils, on est quand même pas. Hein. Faut que ce soit, ça reste un minimum sensé. Je voudrais des petits tabourets en acier. Alors, ils vont bien rouiller sa mère. Voilà. On est content. Est-ce que le démence majeur pour Léo? Allez, allez, gros. Mange mon lapin, mange. Par contre, je sais pas de quel vous parlez. J'ai hâte de voir vos commentaires pour ça. J'ai aucune idée duquel ça me parle. Peut-être que vous me le direz dans les commentaires de dimanche, mais que j'ai pas encore compris. Je vous dirai complètement con. Ok, là ça avance. Nickel, c'est fini même. Assez long à faire les portes. Ah, je crois que je vais te casser les bonbons jusqu'au bout, ma poupette. Je vois que t'as une bonne humeur. Je pense que c'est toi qui vas finir là. Un colon mort non enterré. Ah, il est là le coquinou. Voilà, je l'ai jamais vu. Bah gros, quand tu passes comme ça en rapide, gros, je suis là comme ça, tac tac tac. Je zoome là, je vois jamais qu'il est là ce petit bâtard. Bon. Ça va le faire. Et tu t'es barré? Non. Tiens le coup, ma poulpette, tiens le coup. Putain, elle est en pleine déprime, elle est en pleine déprime. Allez, on termine cette porte, ma poulpette. Lieu du village, il en est où? C'est bon? Ok. Oui, on fera peut-être un petit sanctuaire à un moment. Deux tourelles pour chacun de nos hommes. On en a perdu d'autres, mais on n'a plus de cadavres, hein, désolé. Vous serez pas honoré, vous serez juste oublié. Pense à Storm. Pense à Elkat. Adieu et bon voyage. Notre dieu brocoli. Parti. On a perdu, les gars, hein, on en a perdu. Et on a Pampas qui répare, c'est cool, ça fait plaise. Il se fait pas chier, donc moi ça me va. On a combien? Un extérieur à 24, l'intérieur on est bien. Faut que je vous mette le chauffage 17. On va leur allumer le chauffage, ils sont... J'ai des putains de générateurs de refroidisseurs là qui sont activés. Et l'idée ce qui s'est transformé en brique de lait, c'est incroyable. Il passe des choses dans cette base. Et ils sont tous éteints, ok. Je crois que le cactus pousse, hein. Je crois qu'on est toujours en rate de bois du coup. Ouais. L'argent ça va, 1008 quand même il nous reste après avoir acheté un robot qui est en train de faire son boulot. J'ai l'impression qu'il a bien rattrapé déjà la base. La cuisine, j'aimerais bien qu'il se bouge le fion. Et là, ça va être long, quoi. Ouais, voilà. Ça permet de me déplacer ça, s'il vous plaît. Bam, tu cours vite. Bam. Je laisse passer. Par contre, quand tu repasseras, tu refermeras. Ok. Ensuite, on va passer ici. On a combien de temps d'épisode? 50 minutes. Bon, on va s'arrêter sur ça. On va... Okay. On va passer par l'autre côté. Qu'est-ce que je veux dire?
Ok. Termine la construction de colonnes. Ok. Est-ce que... Ah merde, ça va refermer les portes du coup. Est-ce que Pampas peut venir m'enfouir Bonnet l'escroc? J'aurais bien... J'ai hâte de voir ce qu'il a écrit sur Bonnet l'escroc, tiens. La description de l'art. Oui, on fait des trucs qui sont pas importants avant. Pas grave. Les portes sont pas refermées. Ouais, parce que j'avais dû prendre celle-là. Je sais pas. Ok. Qu'est-ce qu'il a écrit? Alors attends, pareil, on va changer les colonnes. Où t'as de l'importance? Ah! Alors! Pas. Attends, quoi? Ouais, là j'ai un descriptif. Ah là j'ai pas! Ah parce qu'il est pas dedans, vas-y. Bourre-le dedans. Bourre, prends passe, bourre, bourre, bourre. Acceptable le funéraire rendu pour honorer la mort. Mort. Ce sarcophage est gravé d'une œuvre illustrant un gorille solitaire. Allez, hein! Bon escroc, nique-toi! Un bébé escroc, y'a pas de respect pour toi. Ça n'a toujours pas été installé. Ça non plus. Leonidas qui aime bien les étoiles. Le soleil couchant, ça me va. Ça c'était fermé. On est sécure, ça me va. Ça me va, ça me va. On est bien. On va vraiment pouvoir passer à ce côté-là. Transport mortier. Ok, vas-y, vas-y, fais, fais, fais. Tabouret. Ouais. Dégueulasse ce tabouret, gros. C'est un tabouret de bar, ça. Pas du tout. Non, il nous faut un tabouret 3 pieds, là. Ouais, celui-là, la bim, voilà. Bien militaire, ça. On a lu comme ça en fond en métal. Ouais, qui met du. Ok. Quelle fou. Elle joue, c'est pour ça qu'elle a mis un petit peu. D'accord. Pourquoi pas, c'est le robot qui est en charge. Ouais. Le robot, on n'a pas une zone pour lui, normalement, aussi à gérer. Vous. Moi je dis qu'il serait temps, peut-être, pourquoi pas. On a qui en couple là? Qui dort avec qui? Bonnet Poulpette. Et après les autres, c'est tout, c'est tranquille. Allez, oh bah tiens, t'as une chambre de nuit, gros. Horrible. Horrible. Allez, mon gros, c'est pour toi. Il serait peut-être temps que, voilà, Bonnet Poulpette retente l'expérience d'avoir un enfant. Pour de voir si le jeu veut vraiment une ken jusqu'au bout. Les poulpettes, voilà, donc ils vont se coucher à 23h tranquillement, tu vois, la fin du film Netflix, là ils vont au lit. Ils vont dormir comme les gens normaux jusqu'à 6h. C'est beaucoup 6h, hein. Ah, 5h, c'est des leftos. Char lefto, voilà. Et en prime, on va faire des petits, ça va le tenter. Essayer d'avoir un bébé. Poulpette. Poulpette, elle est détruite, elle est de l'intérieur, elle ne veut plus. Ok. On tente, on peut, gros. On peut. Ok, bon allez, on a 58 minutes, je vais pas vous faire chier, bah là je vais faire le même principe, quoi, je vais décaler ça, sortir, essayer d'aller chasser les 3 dromadaires, tuer les 2 glands, il y en a plus que 2 d'ailleurs. Waouh, là il y en a de plus en plus là, gros. La bourre, ça bourre, hein. Il y a un moment, ça... Oh, vous le voyez. Oh, vous le voyez. Il est là. Il est là. Notre pire ennemi. Il arrive. Ah, il est un peu du père. Il peut qu'il se passe, en ce moment il est là depuis 3 épisodes, j'ai jamais vu. Hein. Bon, on le voit, il est là avec son petit casque jaune, le mineur. Ça va. Pas de crainte pour l'instant. En bas, ça a pas pop, qu'est-ce qu'ils font eux? Oh, il en a rien à foutre, le trou boss. Il va me péter toutes les portes, le chien galeux. Qu'est-ce qu'il fait? Il va pas m'en péter une autre, l'idiot du village. C'est ouvert, regarde tes copains, ils en vont, voilà. Oh non, le bâtard. Le petit bâtard, dis donc. Ils en ont rien à foutre, les thromboses, gros. Voilà, pour bourrer des culs comme jamais. Ok. Je serai pas de vous remprisonner une prochaine fois. J'entends miner, c'est Cora. Elle est dans son trou. Ok, là on est en train de construire ça, ça me va. Oh là là. Ça en est déjà un peu approché, hein. Il y a des petits dégâts qui ont été pris. Il y a du bouclier, il y a de l'empoisonné, il y a de tout. Ouais.
Dommage que le zombie arrive pas à plus focus les murs. En gros, on serait sous une pression. C'est dommage, c'est dommage. Il est bien près quand même, hein. Il est bien bien proche là du mur, hein. Mais bon, il a l'air de mongoliser donc ça me va. Bon, elle me fait ça, ça me va. Ils sont à fond sur ça. Ok, on va mettre le même tabouret. T'as fait un tabouret dégueulasse, gros. Il est juste bon. Ok. Là. Bam, les obus. Attends, recule gros. Mais je vais y bas. Uranium, pourquoi pas. Elle est tombée où? Elle tombe là. Oh, c'était beau. Petit freeze au même moment. Et lui, il va où ce con là? Et il re-répare. Oui, oui, vas-y, vas-y, vas-y. Dis oui, oui, c'est important en plus. Ils en envoient les potes. Oh, que connard. On est sous l'air. Voilà, je vais perdre moins de temps. Iba, elle va me flinguer ça. Les drodros, ils se sont barrés. Ah, les dromadaires, ils ont foutu le camp. Bon. Ah ouais, non, la merde. Et t'as pris quoi, là? Ils ont pas tâté la gueule, ma poule. Ah la misère gros, mais qu'est-ce qu'il foutait dans les murs? Oh là, oh là. Oh là là. Oh là là la vieille. Oh la vieille. C'est la fin du voyage. Ok, vas-y poulpette. Voilà. Faire le con. Il y a plus le truc. Il y a plus le truc genre tu peux la porter là. Parce qu'il est joli et dragué. Bah putain, l'autre il pense qu'à ça. Il oublie, vite. Tant pis, faut lui arracher quoi? La main gauche, bras droit. Allez ma poule. 21h avant l'infection. On n'a rien pour la soigner. Hein. On n'arrive pas à ramasser les sérums. Mange. D'accord. Gariba gros. Ah Giba. Non non. Quel coup Iba. Belle coupe. Jolie coupe. 1h05 d'épisode, bordel merde, désolé.
On survit pas, je vous laisse tranquille. Allez, la main, c'est parti. C'est pas ce que je veux. Non, aucune riba encore. Pendant 8 heures. À cause de quoi? La main gauche déchiquetée. Peut-être la flinguer, donc j'enlève le bras aussi. Ça va pisser le sang de partout, non? Vite, 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 mon petit pampas. Vite, 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 vite. Bon, ça va, elle tient le coup, c'est une dure, c'est une dure. Alors, on a vu l'autre. Elle est dans un état Iba, gros. Ma poule, je suis désolé. Hein. Oh là là, gros. Là où tu te rends compte que la vie est difficile dans une aventure de bonheur. Désolé, mes petits chats. Putain, la gueule, du coup. Oh. Un bout de truc qui se déplace, il va, c'est terrible. Un tas de chair là qui déambule dans le couloir en faisant peur aux petits enfants, quoi. Et Rock qui décide de lui apporter du lait, oui. Pour juger. Qui suis-je pour juger le lait? Là, c'est bueno, c'est moitié fait. C'est. Le Didas, il est dessus, ça me va. Un connard de. Et là en haut, je sais pas. Bon, écoutez, je vais laisser tourner l'épisode le temps de finir ça. Je vais peut-être avancer un peu. Là, mettre des trucs en avance, commencer à régler un peu les stockages, tout ça. Enfin, voir. Après, ça se trouve, madame va mettre une sauce là. Il est qu'il aura déjà 18h, oui. Peut-être aller prendre le bain de bébé, tout ça, surtout en bref. Mais bon, je vais essayer au moins de finir les petits murs, les petites 2-3 petites conneries. Écoutez, j'espère que ce petit épisode de bonus vous a plu. On se retrouve quand même mercredi pour un autre épisode. Je vous fais des bisous. Ciao tout le monde, à la prochaine. Bye.